Bien, on est de retour et on est sur Slime Rancher cette fois. On est sur Slime Rancher, donc il y a effectivement eu des mises à jour parce que je me suis connecté, c'était plus du tout pareil. Dites-moi si en termes de son, machin et tout, c'est bon. Ça a l'air d'être pas mal, mais éventuellement je baisserai un petit peu le son du jeu. Hein, parce que voilà, je sais même plus. Je sais même plus ce qu'on faisait dans ce jeu. Je sais même plus. Je sais pas s'il y a des zones qui ont été débloquées ou quoi, mais Ah ouais, c'est vrai qu'ici c'était le bordel. Oh! Ah non, pas du tout, j'ai cru qu'il y avait un étage. C'est vrai que c'est le bordel, ils étaient sortis de là, eux. Oh là 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 là, quel bordel. Son nickel. Je ne connais pas ce jeu, honte. Mon dieu, Kim, ce jeu est trop bien. Tu dois élever des slimes, et puis... c'est déjà bien. C'est un peu ça. Oh! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eux, là. Bon, il y aurait eu un don durant la pause, apparemment. Ah, de TJ Taz. Salut, Sif. Tu m'as bloqué sur Twitter en 2013. Mon rebase et c'est mon pseudo de Twitch. J'ai bien mûri depuis le temps, si tu peux me débloquer, c'est nice, bon live à tous. Eh bien écoute, pourquoi pas. En plus tu dis que... Parce que des fois j'ai des gens qui me disent, oui c'est une erreur. En 2013, j'ai bien mûri depuis le temps. Ok, ok, seconde chance, je te débloquerai, pas de soucis. Merci à toi pour le don en tout cas. Voilà, si vous voulez que je vous débloque sur Twitter, faites des dons. Non mais merci, merci à toi. Il y a une nouvelle zone, alors voilà, moi ça m'intéresse, je me dis, effectivement, ce qui peut être cool, c'est de voir les nouvelles zones. Zigza. Bonjour Béatrix. Béatrix ? Béatrix, très bien. La question c'est, savez-vous où est cette nouvelle zone ? Je sais qu'il y avait des zones qui étaient en création à l'époque, mais depuis ? Il faut qu'on trouve ces zones. On va se balader un petit peu, machin. De toute façon, voilà. Ça like pas, machin. Non, ça a l'air bon. Nickel. On va se balader. On va. Voilà, de toute façon, c'est de la détente. Hein. Encore une fois, je ne fais pas que des let's play. Donc, l'idée là, c'est de se détendre. C'est pas forcément de prendre tous les slimes du monde. On va d'ailleurs. Au revoir, les slimes. Est-ce que je viens pas de balancer les slimes. Genre, les mosaïques, je vais les garder. Est-ce que je viens pas de balancer les slimes un peu rares que j'avais trouvé dans mon dernier épisode? Merde, je crois que je viens de balancer des slimes rares. Bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Va à gauche de ta maison et continue ton chemin vers la gauche. Ah ouais? À gauche de ta maison. Et continue ton chemin vers la gauche. Oui, non, mais ça mène à un endroit, mais ça mène vers ma petite réserve souterraine, il me semble. Mais la question, c'est... Est-ce que depuis il y a eu d'autres trucs, d'autres zones qui ont été... Je fais un petit tour hein, du proprio, de toute façon ça fait du bien de se rappeler de cet endroit. Au pire j'ai un TP. Il y a une nouvelle zone plus un nouveau slime. Bah écoutez, ouais, je veux bien que vous m'indiquiez à peu près vers où c'est, comme ça on va aller voir au moins la nouvelle zone de visu. Pour être bien. Je pense, j'ai l'impression que ça lag et je sais pas pourquoi. Non, ça perd de laguer, c'est bon. Est-ce que là ils ont continué ce satané pont? Toujours pas. On va avancer un petit peu, on va voir. Je n'ai pas Skyrim sur Switch, non, 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 je ne l'ai pas. La nouvelle zone est accessible par ton ranch. Ok, vous me confirmez tous que c'est par le ranch. Bon bah très bien, on va aller au ranch alors. On va aller au ranch. Du coup, pour aller au ranch, c'était par là. C'est vrai que le jeu a tellement évolué depuis le début de la série que j'avais lancé. C'est dingue. De toute façon, il y a un téléporteur qui est pas loin, hein, il me semble. Ce jeu est sur Steam, sur PC. Mais là en fait, je suis dans un stade avancé du jeu où aujourd'hui, à chaque fois que je faisais des vidéos dessus, je faisais plus que me balader, grosso modo, et découvrir un peu les nouvelles zones. Parce que de base, il faut te développer, tu dois prendre des slimes, tu vois, tu les prends, tu les fais se reproduire, tu dois les nourrir et tout. Tu les mets dans des enclos, tu développes ton ranch comme ça. C'est un jeu de gestion de base un peu. Mais c'est vrai que moi maintenant je suis arrivé à un stade où c'est vrai que mes slimes je m'en occupe plus trop et en fait je reviens sur le jeu. Vu que j'avais un peu fait le tour, je reviens sur le jeu surtout pour voir les news en fait. Donc les nouvelles zones. Alors. Déjà nous avons un TP là. Ce qui est déjà plutôt bien. Donc revenons au ranch. Donc au ranch et on m'avait dit tout à l'heure à gauche. Alors ça là-bas je sais, hein. Ça. Ah, à moins que ce soit, attendez, à moins qu'ils aient élargi cette zone. Mais parce que là-bas, c'est un peu le bordel. Pour débloquer la nouvelle zone, tu dois faire un échange à la machine avec un certain Hotgun Ortiz. Ah, c'est un bordel ici, les slimes sont tous sortis. Ça mène où, ça? Je crois que je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois. Oui, c'est juste un truc.
Donc la machine, on est d'accord que vous parlez de la machine qu'il y a là, là dans... Attendez. De ce truc là. Vous parlez de ça. Je pense. Non, c'est pas ça. Non, ça doit pas être ici en fait. Alors, il y a des gens qui me disent non, c'est à droite, non, c'est machin, mais il faut vous dire qu'il y a 20 secondes de décalage, donc c'est la machine d'échange en face de la maison. Ok. Donc ce n'est pas à droite de la maison. Il y a quelqu'un qui m'engueule en disant d'aller à droite, mais c'est pas là du tout. Ah là 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 là, c'est pas grave. Du coup, on va aller voir du coup ce que c'est cet échange. Donc la machine, oui, celle-là, là, ouais. Ou celle-là, une des deux, je sais pas, mais je... Je pencherai là, c'est les améliorations, donc je pencherai sur celle-ci, effectivement. Ah putain, il y a des visages maintenant. Oh mon dieu, il y a des dialogues. La prochaine tournée est pour moi si tu peux m'obtenir ces affaires vite. Incoming. Ah, Hotgun Ortiz, c'est lui. Parfois je prends une sieste dans la nappe. Putain, ça a vachement changé. Je prends une sieste dans la nappe de mousse, mais ces fichus slime boom m'éveillent toujours. Donc lui, il veut quoi? Il veut ça? En échange de ça? Waouh, mais les gars, c'est un peu chaud, non? Genre. Alors ça, ces fruits-là, je sais où c'est. Je crois. C'est les fruits qu'il y a dans le truc du temps, là. Mais ça? J'ai jamais vu ça. Vous êtes sûr que c'est pas dans une mage, ça aussi? Parce que ça, ça me dit rien du tout. Ah, il me manque des trucs, là. J'en ai jamais vu des... regardez, dans les fruits que j'ai. Non, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Ah, il y a tellement de nouveaux trucs. Ah. Du coup... Ouais, toi, t'as plus que 5 minutes, forcément. Ouais, non, non, mais... est-ce que là-bas, ça a poussé, vous pensez, en 24 heures? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à récolter? Et on les met dans le... Ouais, c'est bon, ça a poussé. Vous allez voir. Non, mais genre, je me mets en mode commando. Là il m'a saoulé, très clairement. Votre mec, là, il m'a un peu gavé. Ce qu'on va faire, très simple... C'est qu'on va tout mettre dans le silo. Comme ça au moins on sera bien. Bon, même si ça a l'air surtout d'être des fruits qu'il veut à chaque fois, hein. Ça on est 100% d'accord. Mais on va aller tout mettre dans le silo. Comme ça on pourra bien garder les trucs. Est-ce que là ça a poussé du coup? Ouais ouais, ça a poussé là. Regardez. Ok, donc c'est le moment d'aller chercher d'autres trucs. On s'organise, on a fait un peu n'importe quoi au début. On s'organise. Okay. Donc moi je sais exactement ce que je veux. Je veux les petites betteraves là, je sais où elles sont. Hop. Attendez. Là, on va aller là prendre ça. J'en prends plus que ce qu'il en faut. Comme ça au moins on est bien. Donc là normalement je vais avoir les petites betteraves, entre guillemets, ce que j'appelle les petites betteraves. Ensuite on va aller faire un tour de l'autre côté. On va avoir, je vous jure. Comme ça, on va tout récolter, mettre sur nous. Et quand il va arriver à faire « Hey, je veux ça !» Tu vas faire « Paf !» Tiens, mange-toi ça. Donc là, normalement. Et pourquoi ça n'a pas poussé? Alors ça, je ne comprends pas pourquoi ici, ça ne pousse pas. Pourquoi ça pousse à des endroits et pas à d'autres endroits? C'est un grand mystère. Ça, Parce que les pogo fruits, ça va, mais... Après, si ça se trouve, il va vouloir les pogo fruits et les betteraves la prochaine fois. Si ça se trouve, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais je le sais pas. Oui, je lis le chat, mais en même temps, j'essaye d'avancer un petit peu pour que tout se passe bien. Carotte, on avait déjà. Je voudrais surtout d'autres trucs. Là, ça a poussé. Oui, c'est vrai qu'il fallait le nourrir ou je ne sais quoi. Slime chasseur, on s'en fout. Faut mettre de l'eau dessus. Non, non, faut pas mettre de l'eau. Faut pas mettre de l'eau. Et là. Ah! Et merde. Putain. Je suis tellement deg, il vient de bouffer sous mes yeux le fruit que je cherche, le verre. Il vient de le bouffer sous mes yeux.
suis trop deg. Je suis arrivé trop tard, ils l'ont bouffé. Oh, je suis deg. La tristesse d'un homme. Je me suis jeté dessus, les gars. J'ai vu le truc, j'ai fait go. C'est bon, je les ai. Donc maintenant, je vais pouvoir les faire pousser aussi. C'est bien, on avance, on avance, on avance. Je sens que tu vas voir, on va l'avoir, votre gars là. Je le sens bien. Là, donc on va aller mettre ça à pousser, la mangue gommante. J'ai vu le truc, j'ai fait non. Ne les piquez pas. Pitié. Hop là, voilà, ça pousse. On est bon. Alors, on va aller ranger ça dans le silo. Tranquillement. Et on va regarder déjà ce qu'il veut la prochaine fois. Là, il lui reste 2 minutes. Donc, attendez, on va aller dans notre silo. Il chante. Donc, voilà, ça, tu me le conserves. Ça, tu me le conserves. Ok. Pour gonfler comme ça, là, maintenant, dès qu'il voudra un truc, je vais arriver, je vais faire ah ouais. Tiens. D'ailleurs, je pense même que... Ah, je peux en entreposer qu'un. Je peux pas l'améliorer. C'est 500. Ah ouais, c'est 500. Bon, bah, c'est pas grave. Déjà, au moins, j'aurai une place en plus. Alors, les amis. On aurait dû faire ça dès le début et mieux s'organiser parce que... Il y aura des ellipses, clairement. Hop là, on va dormir. En fait, j'aurais pas dû payer pour la récompense. Revenir au ranch. Là, du coup, il va te proposer autre chose. Peut-être même des choses qu'on a déjà. Toi, je m'en fous. On va pas dormir. On va faire un truc. On va aller vérifier sur le TP. On va aller vérifier sur le téléporteur. Si les fruits là, rares là, que je connais pas, ils sont pas dispo. Si ça se trouve, là, je vais dormir 2 jours et puis je vais encore perdre des fruits, tu sais. Ce serait dommage. Là, au moins, là, les fruits viennent de pousser. Là. Je peux pas faire plus rapide. Si jamais ils ont poussé aujourd'hui, en tout cas, ils viennent d'arriver. Et surtout que j'ai vu à quoi ça ressemblait maintenant. Et non, c'est pas un jour où ça pousse. Aussi étrange que ce soit. Ah, il est plus celui que j'avais vu. Il est plus. Non, dans tous les cas, c'est pas un jour où ça pousse, donc retour d'urgence. Hop. Dans tous les cas, j'avais pas le mec sur le vocal. De Casey. Yeah, Casey. Ok. Ah, il veut encore 5 minutes. Ok. Donc on va aller revérifier. Non, on va pas revérifier. Attends, on va faire un truc d'abord. On va aller accumuler les fruits. Au moins, je pense que les autres fruits on en a assez, mais au moins les fruits verts là. On va aller les prendre avant que ça pourrisse. Ah, oh, regardez-moi ça. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Voilà. Là, il m'en demandera jamais autant. On va l'avoir, hein. On va l'avoir, je vous le dis. Voilà, Cory résume bien. En gros, le but est de farmer différents slimes pour développer des nouveaux par la suite. Oui, parce que là, ce que je vous montre pas, mais c'est qu'en fait, techniquement, genre, bon, eux, ils aiment des légumes, mais. Genre, eux ils aiment des légumes et de la viande. Mais eux ils aiment des... Putain, des légumes. Eux ils aiment de tout. Je leur balance ça, ils le bouffent. Et en fait quand ils bouffent ça, ils pondent des plortes. Là vous pouvez voir, voilà ça là. Et en fait ça, si je vais le... Oh mon dieu, j'avais pas vu la liste. Oh mon dieu, le panneau il a changé. Ça, je peux le revendre et ça me fait des sous. Vous voyez là, il y a les valeurs des choses et tout. Voilà. C'est quoi ça? D'accord. Bref, donc on va aller stocker ça. Est-ce que je vais faire une nouvelle série de Slime Rancher? Bah non, non, non. Bon, enfin, je veux dire, on est déjà... Voilà, quoi. J'avais déjà stocké des trucs là, donc on va stocker ça là. Voilà, pour le moment. Ok. Et donc, on va aller vite fait check s'il n'y a pas encore la... ce qui m'intéresse. La bouffe. Et ensuite, on va relancer l'échange. En fait, j'aimerais bien tomber sur les nouveaux trucs. Ah, il y a la carte là-haut, on se parle. Il m'en faut juste un, comme ça ensuite je le fais pousser. Et j'en ai en masse. C'est bon, ils sont là. Là, il y a les carottes, juste les carottes.
Ça, on va les prendre parce que c'est pas ça qu'il me faut, mais on va les prendre quand même. Ok, des carottes. Ok. Là, c'est bon, je l'ai. Oh putain, ça a pas poussé. Relou. Genre, ce truc ne pousse pas. Ce truc, non. Non, non. Bon, on a eu des Oka au cas où il m'en demande. C'est déjà ça. Je vais aller vérifier quand même qu'il n'y en ait pas plus loin. Je vais aller jusqu'au TP. Hein. On a des Oka. C'est déjà bien. C'est déjà très bien, même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit? Il n'y a pas des plans par ici, non? Je pense que je finirai par un peu de Fortnite le live tout à l'heure, oui, tout à fait. J'avais dit que je finirais vers 20h, au final ce sera un peu plus tard, c'est pas très gênant. Mais ouais, je finirai par du Fortnite. Je garantis pas ce qu'on en fera, mais... on testera, quoi. Alors, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur Slime Rancher. En fait, on voit plein... on voit les nouveautés, vraiment, ça c'est cool. Ça pousse peut-être la nuit. Possible. Dans quel cas, ça va être galère. On va voir, attendez, parce que du coup, là, son échange va être bientôt terminé. Attendez, je vais aller mettre ça à pousser. De quoi je n'ai plus besoin? Des carottes. Voilà. Très bien. Donc, maintenant. Il y a des zones polluées, donc ça pousse moins à certaines places. Hein. Possible. Il reste 2 minutes à cette madame. On va dormir. Parce que si ça se trouve, là, j'ai déjà ce qu'il me faut, hein, comme je disais. Si ça se trouve, il va me dire... oh, je veux des plots. Enfin, je veux ça et ça. Il va faire... ouais. Hop là. Alors. Il est là. Jouable. Il me manque évidemment le seul fruit que je n'ai pas. Ça qu'on adore. Donc ça je les ai, évidemment. Mais il me manque les fraises là. Et les fraises, je connais un endroit où il y en a. J'en connais pas 50, j'en connais qu'un. Donc j'aimerais bien que ça ait poussé. Je sais pas où il y en a d'autres des fraises. Parce qu'en vrai là c'est jouable. Putain, il me manque juste les fraises. On attend et c'est bon. Au pire on dort et on retourne voir. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Il est 6h du mat. C'est bon, on le tient. Là, franchement, elle est facile. Ah, par contre, il veut plusieurs fraises. Il veut plusieurs fraises. On va voir. Il y a un truc qui brille là-haut, je sais pas ce que c'est. Première fois que je vois ça. Putain, ça pousse pas. Pourquoi ça pousse pas? Fais voir là, est-ce que ça va pousser? C'est dingue quoi, ça pousse pas ces plans. Ces plans là, non, non, on veut pas ces plans là. Très bien. Ah! On a une zone là en fait. À moins que ce soit ça que le mec me débloque. Non, ça c'est des trucs payants, donc je pense pas. J'ai pas de... non, j'ai pas... c'est dingue. Ah ouais, mais c'est clair, c'est une faille temporelle où rien ne pousse, on est d'accord. On est d'accord. Donc déjà, je vais aller lui mettre ça, là. Il en veut combien? Il en veut 4. Ok. Et il veut 5 de ça. Mais 5 de ça, en fait, je ne pourrais pas y arriver, je suis en train d'y penser. Parce que... je vous explique pourquoi. Parce que là... il faut que ça pousse. Enfin, il faut que je les récupère. Après, il faut que ça pousse. Et donc, on sera dans un échange, dans l'échange suivant déjà, tu vois. Donc, on est un peu. En fait, il faut que j'en trouve une qui a déjà poussé. Mais sauf que. Il n'y en a pas, quoi. Donc là, je suis obligé d'aller dormir. Ouais. On dort. Donc là il reste que 5 minutes. Bon, on a eu un fruit en plus, ce qui est déjà cool. On va essayer de s'y TP parce que c'est vrai que j'ai les téléporteurs, je m'en sers pas assez. Peut-être qu'on sera bon, je l'espère en tout cas.
Oh putain, c'est bon. C'est bon, elles ont poussé. C'est bon, on le tient. Là, il y en a encore deux qui vont être là. Yes! C'est bon, on a nos 5. Allez hop là, on se casse. Pouf! Il aurait été galère lui. Yeah, on y va. Ta 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 ta. Donc, on va lui donner. Et on va voir ce qui va se passer. Et après, il faudrait que j'ai aussi 5000 pour ouvrir la porte éventuellement. Mais au pire, on le refera une prochaine fois ça. Alors. Ah, Star Mail reçu, d'accord. Donc déjà, on va vendre ça. Non, pas ça. Ok. Et donc, un partenariat. On me dit que vous faites un nom et que j'aime votre style, alors au but. J'aime votre style, alors au but, je vous propose un petit boulot complémentaire. J'ai un gros morceau de terre à la périphérie de mon territoire qui est aussi le point d'accès aux sauvages. Le domaine des slimes sauvages est primitif et dangereux, mais aussi le berceau d'un fruit rare et délicieux que j'adore. Si vous relevez le défi, venez chez moi dans mon petit refuge près des sauvages. Alors. J'ai pas compris. Mais c'est où son truc des sauvages? Ticket ici. Ah ok. Près de la luxuriance. Alors. Ça doit être la zone qui me manque. Le live bug. Non, le live bug pas. Est-ce que vous savez... Ah oui, d'accord, ok, ok, très bien. Très bien, je n'ai rien dit. Ah oui, d'accord, ouais, parce que ça, je l'avais vu, mais du coup... Wouah! Trop bien! C'est son truc à lui, du coup. Trop bien. Et ça débloque plein de nouvelles zones, j'imagine. Ah! Pas aller plus loin. Attends, c'est ça la zone? Réellement, les gars, c'est genre, c'est ça la zone? C'est juste un début de nouveau ranch? Oh merde, moi je pensais que c'était vraiment une zone, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire? Eh Béatrix, merci pour votre visite, mon refuge, et répondre à ma proposition. Alors, au travail. J'ai bâti ce lodge depuis des années pour avoir un petit lieu de vacances. Plus tard, j'ai réalisé que cet endroit est le voisin d'une collection d'îles peuplées avec des slimes sabres primitifs. J'ai nommé ces îles les sauvages. Et après l'exploration, elles m'ont révélé leur vrai secret, le fruit rare, le Kukadoba. C'est quoi un Kukadoba? Eh bien, c'est le fruit le plus savoureux, le plus irrésistible dans l'univers connu. Bon, la plupart des gens disent qu'il a un goût de fromage pourri, mais ils ont tort. De toute façon, je peux devenir accro comme je devenais trop vieux au lent pour le risque. Les sauvages sont le berceau aux foules de slime sauvage. Vous savez, ils sont les descendants d'anciens slime sauvages qui étaient les prédateurs dans ces régions. Rassembler le coup d'Avora, c'est dangereux. Ouais, on va débloquer la zone, je pense. Et c'est là que vous entrez en jeu. Je vous récompenserai pour rassembler et m'apporter ces Kukadoba délicieux. Simplement déposez-les dans cet échange de ranch. D'accord. Si vous rassemblez assez de fruits, je vous donnerai mon secret. D'accord, j'ai activé le téléporteur. 75. Ok, donc c'est là-bas. Yes. Oh. Donc c'est donc là, cette zone. Alors. Oh putain la vache. Slime sauvage. Ah mais... C'est des slimes sauvages ça? Mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau au slime... vous savez les slimes avec le petit bandeau là, les... What? Non mais c'est des fusionnés là, c'est obligé. On est d'accord que ça ressemble grave au slime chasseur. Ah oui, d'accord, ok, c'est parce qu'ils ont fusionné là, d'accord, c'est pour ça. Bon, en tout cas, la zone a l'air jolie. Par contre, je vais mettre grave de temps à trouver les 75 trucs. Mais c'est joli en tout cas. Et on est où là? On est toujours dans leur zone. En fait, il y a des zones de plus en plus grandes dans le jeu. C'est cool. C'est cool. Parfait, bon. Explorons un peu.
Oula, aïe. Ouais, y en a, ça va. En fait, c'est une parcelle par une parcelle, quoi. Et je peux pas simplement... Ok, petit bug graphique. Je peux pas simplement les faire pousser. C'est pas plus simple. Genre, en vrai... je rentre chez moi et je les fais pousser, tu sais. Les slimes sabres, le nouveau, n'existe qu'en forme fusionnée. Ah, d'accord. Est-ce que les modos peuvent me confirmer qu'il n'y a pas de bug? Parce que je vois des gens qui disent que ça bug, mais il n'y a pas de raison que ça bug. Je vais me faire buter! Ah, je peux pas les faire pousser. Oh putain, c'est salaud. Pas de bug. Ok, très bien, merci. C'est super grand en fait. Ah, regardez là. Ah ouais, on en voit plusieurs là. On a vu les slimes sabres. L'argot sabre rose, ok. Très bien, on continue. C'est immense! Trop bien. Et là-dedans, faut que je mette quoi? Non, pas ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est peut-être une caisse avec des trucs dedans. Ok. Par contre, 75, il y a des sortes de noix quelquefois, et le truc vert à moustache. Serve à les casser. D'accord. Ok, ok, ok. Je vois. Écoutez. Hein. C'est cool, mais par contre, 75 il a un peu fumé, hein. Ah, super, il y a des... Ok, il y a des tares. On va aller voir par là-bas. Bon, déjà, ils ne les mangent pas. Eux. Donc c'est pratique. Le non-respect du poulet. Ouais, désolé. J'avoue que le poulet, je l'ai un peu envoyé valdinguer. J'étais en mode, non, bah les couilles. Oh! Un TP. Pourquoi là c'est monté à 1 et ensuite c'est redescendu? Vous voyez ce que je veux dire? C'était bizarre. Mais bon. En sachant qu'aussi, si avec 5000, je pourrais débloquer l'autre truc. Donc ça reste intéressant sur le principe. Donc attendez. De toute façon, ici, on est d'accord que si je fais ça et qu'ensuite je fais ça. Ok, il me les garde là pour le coup. Il me les garde. D'accord. Très bien. Alors ce que je vais faire moi les amis déjà, j'ai récupéré tout ça, j'aimerais me faire 5000 de thunes, il m'en faut encore 4000 pour débloquer la zone déjà derrière qu'on a vu. Je sais pas s'il y a d'autres zones ensuite, est-ce que hormis ça et la zone de mon ranch que je peux débloquer, il y a d'autres zones les amis, si vous pouviez me dire. En termes de nouveautés quoi, je parle. Je pense que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ok. Et ça, on verra après. C'est le premier échange. Ensuite, tu te demanderas 120 puis 150, mais crois-moi, ça vaut le coup. Bah, sûrement, mais... Ça vaut sûrement le coup, mais bon. Légumes et viande. Ça vaut certainement le coup. Mais bon, les viandes et légumes. Voilà, ils sont contents, je les nourris. Fruits et viandes. Alors, on va les nourrir. Oh! Nous avons un tips de 5 euros de The Mother Runner. Waouh, qui a fait un tellement long message. Salut Sif, t'es mon youtubeur préféré. Je suis venu te voir le 19 novembre. Aïe, attendez, je me fais attaquer. Artouplay. J'étais le premier à être dédicacé de la journée. Je peux me faire la pub pour ma chaîne YouTube, c'est TheMazerunner442. C'était pour tes vidéos, c'est super. Comme ça, et bien voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de TheMazerunner442. Et bien, je me souviens de la première personne qui est venue me voir à Artouplay. Donc du coup, je pense voir qui tu es. Et merci à toi, bien évidemment.
Du coup, là, on va récupérer les blocs comme ça. On va récupérer. Comme ça. Tiens, on a encore là. Ok. On prend. Je me fais un peu de thunes. Ah, je peux pas les récupérer, c'est vrai. Attendez. J'espère que ça va pas créer un tard. Bon, ça monte assez vite, regardez. Voilà, je suis déjà à 2000. Ça va, ça se fait. Si tu débloques la zone, tu pourras mettre des slimes d'eau dans une cascade. Cool, non? Ah, cool. Effectivement. Tu fais ça. Voilà, et... plutôt prendre ça, pour l'instant, ça m'attire plus, en termes d'argent. Ok. D'ailleurs, les plortes... Ah, je savais bien que vous aviez des trucs pour moi. Alors. Nickel. Il y en a encore là. C'est pas plus de 3 à chaque fois. Voilà. Je les récupère. En vrai, voilà. Là, je fais un truc que j'avais pas fait depuis un petit moment. Là, les nourrir et tout. Mais ça me permet d'avoir ma stune dès que j'en ai besoin. On est à 3000. On est à 4000. Oh putain! L'abus quoi. Upper crust. Allez juste un peu. Bah tiens regarde. C'est là que t'es content d'avoir ça. Et c'est là que t'es content d'avoir jeté ces deux là. Que tu récupères du coup. Nickel. Il y a 4 zones de base. Nous avons un tips de Zeref qui dit bon je dois y aller, je dois aller bosser, bon live à toi, merci à toi Zeref en tout cas, merci d'être venu et merci pour tous tes dons tout au long du live, c'était fort appréciable, c'était très sympa. Du coup c'est là-bas, c'est là-bas. J'ai même pas donné mes plores tigrées quoi, pas grave, on va les donner après. Il reste les 3 zones aux 100 plores d'or. Alors ça j'ai pas compris où c'était effectivement, acheté, voilà, alors viens voir. Oh, effectivement, je pourrais en mettre là. Et c'est des... Donc ça, c'est juste pour agrandir mon ranch, quoi. Ok. Bon, c'est cool comme endroit, c'est plutôt cool. Ça fait vraiment... t'es au bord... t'es au bord de la jetée. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, les amis, il reste des choses... Oh, j'ai tapé dans le micro. Il reste des choses à faire. Je pense qu'on fera ça une prochaine fois, hein, parce qu'il y a du farm et tout, il y a la zone apparemment des 100 plantes d'or. Déjà, là, on a pu débloquer cette... grande nouvelle zone, plus bah ça, là, à la fin, c'est plutôt cool. Donc, je vais faire une petite pause, et on va partir, on va finir le live avec du Fortnite, très probablement, voilà, pour ceux qui veulent. Et puis, pour ceux de la rediff, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Il y aura certainement un petit condensé au début, un petit cut au début, parce qu'au début, on a pas mal galéré. Mais voilà, ce sera pas mal. Et puis, voilà, je vais aller quand même mettre mes plortes. Mais c'était cool. C'était cool. Et on a vu les nouveaux, et surtout on a vu les nouveaux slimes là, les slimes sabres, qui étaient pas très jolis quand même. Mais bon, voilà, sur ce les amis, merci, et on se dit à très vite pour la rediff, et on se dit à dans quelques minutes, d'ici 3 minutes à peu près, pour ceux du live. Allez, à tout de suite.